La leçon de Russell, le Sham God ou le Bodhiroga. Premier point, pour réaliser cette feinte, la main va être derrière le ballon. L'attaquant va lancer le ballon, un petit peu comme s'il le perdait. C'est à ce moment-là que l'attaquant va planter le pied pour changer de direction. Il va aller chercher le ballon avec la main opposée. Il va donc feinter d'un côté et attaquer en changeant de direction. Bien sûr, il y a une lecture du défenseur et il y a aussi une lecture de l'espace qui est libre pour pouvoir attaquer. Les précurseurs du mouvement en images. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce que l'on fait. Comme expliqué dans le titre, il y a d'autres précurseurs à ce mouvement que réalise magnifiquement bien Russell Westbrook, entre autres Bodhiroga et aussi God, Sham God, qui a donné son nom à ce mouvement aux États-Unis. Le Sham God, les coaching points, lancer le ballon devant soi comme si on le perdait, aller le chercher avec la main opposée et changer de direction avec un appui puissant.